السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حيا الله الجميع en cette 17e rencontre dans ce Ramadan. J'espère que le Ramadan se passe bien pour vous, que vous en profitez pour vous rapprocher d'Allah Azza wa Jalla, approfondir vos connaissances. Aujourd'hui, nous allons parler de Sourate Al-Isra. Sourate Al-Isra était connue chez les pieux prédécesseurs, chez les compagnons et ceux qui les ont suivis, comme étant Surat Banu Israël, Surat les fils d'Israël. Et je dirais que ce nom était plus connu pour eux que celui de Al-Isra. Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, a rapporté Banu Israël, Wal-Kahf, Wa-Maryam, Wa-Taha, Wal-Anbiya, Hum min al-Itaq al-Awwal, Wa-Hunna min Taladi. Alors, Abdullah ibn Mas'ud a dit Banu Israël, parlant de l'Isra, Al-Kahf, Maryam et Taha et l'Anbiya font partie des toutes premières sourates du Coran. Et elles figurent parmi mes plus anciennes. C'est-à-dire, ces plus anciennes, Al-Hafidh ibn Hajar a dit Itaq, parce que lui, il a dit Min al-Itaq il-Awwal. Al-Itaq vient de Atiq, qui signifie ancien, ou bien qui signifie extrêmement bon. Le deuxième sens, a dit Al-Hafidh ibn Hajar, étant définitivement retenu par un groupe pour ce qui concerne le présent hadith. Donc, pour ce présent hadith, min al-itaq al-awwal, ça veut dire soit parmi les premières sourates qui ont été révélées, donc c'est du Coran mécois, soit elles sont extrêmement bonnes. Et la majeure partie des savants disent qu'elles sont, bien sûr, elles relèvent des premières, mais aussi elles sont extrêmement bonnes. Alors, à propos de Wahunna min Taladi, alors ce qui veut dire par Tiladi, Hunna min Tiladi, ça veut dire qu'elles sont les plus anciens éléments que j'ai appris par mémoire. Et Tilad renvoie à une propriété antique. Donc, Ibn Mas'ud a dit, je répète, Banu Israël, qui est la surah qu'on va aborder aujourd'hui, et qui s'appelle dans la plupart des masahif aujourd'hui, Al-Isra, Al-Kahf, Maryam, Taha et l'Anbiya font partie des toutes premières sourates du Coran. Et elles figurent parmi mes plus anciennes, les plus anciennes que j'ai apprises. Il y a un autre hadith rapporté par la mère des croyants, Aïcha radiallahu anha. Elle a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dormait pas avant de réciter Banu Israël et Az-Zumar. Donc elle parle aussi de l'Isra. Ce hadith a été rapporté par l'imam Tirmidhi, qui a dit qu'il est bon. Il a été aussi déclaré bon par Al-Hafidh ibn Hajar dans Nata'ij al-Afkar, et Al-Sheikh al-Albani l'a déclaré authentique dans Sahih al-Tirmidhi. Alors, on commence par l'appellation, le nom, Banu Israël. Cette sourate, subhanallah, elle a le mérite de citer des choses sur les fils d'Israël que les autres sourates n'ont pas citées. Et moi, ce que j'aimerais retenir aujourd'hui, c'est les versets situés entre 4 et 7. Allah Azza wa Jalla dit Wa qadayna ila bani Israël fil kitab, la tufsidunna fil ardi marratayn, wa la ta'lunna uluwan kabira. Nous avions décrété pour les enfants d'Israël et annoncé dans le livre par deux fois, vous sèmerez la corruption sur terre et vous allez transgresser d'une façon excessive. Ensuite, il a dit dans le verset suivant, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا وَلِبَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُ خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. Lorsque vint l'accomplissement de la première de ces deux prédictions, c'est-à-dire ils vont semer la corruption, nous envoyâmes, c'est dans le passé, nous envoyâmes contre vous certains de nos serviteurs doués d'une force terrible, qui pénétrèrent à l'intérieur des demeures et la prédiction fut accomplie. Verset suivant,
ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. Ensuite, nous vous donnâmes la revanche sur eux et nous vous renforçâmes en bien et en enfants et nous vous fîmes un peuple plus nombreux. Verset suivant. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Si vous faites bien, le bien, vous le faites pour vous-même, à vous-même. Wa in asa'tum falaha. Et si vous faites le mal, vous le faites à vous aussi. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ. Alors, puis quand vint la dernière prédiction, ce fut pour qu'ils affligent vos visages. وَلِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةِ. Alors, puis quand vint la dernière prédiction, et ce fut pour qu'ils affligent vos visages et entrent dans la mosquée, comme ils y étaient entrés la première fois. Et pour qu'ils détruisent complètement ceux dont ils se sont emparés. Et pour qu'ils détruisent complètement ceux dont ils se sont emparés. Alors, vous comprendrez que dans le contexte aujourd'hui, dans lequel nous vivons l'occupation de la Palestine, de Al-Masjid Al-Aqsa, plusieurs exégètes nouveaux, pas anciens, ont tendance, et je ne dis pas des exégètes reconnus, des personnes qui se disent exégètes. Maintenant, tout le monde commence à faire tafsir. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Le tafsir, c'est une science très noble qui a ses piliers et qui a ses principes et qui a ses conditions. Et ce n'est pas n'importe qui peut s'arroger ce titre et devenir exégète du jour au lendemain. Parce que, subhanallah, c'est extrêmement dangereux. Parce que le fait de transgresser, le fait de faire cette traduction sans être préparé, sans être apte à le faire, c'est d'une certaine manière transgresser le texte coranique et faire dire au texte qui ne dit pas. Alors, j'ai dit que dans le contexte dans lequel on vit aujourd'hui et qui est un contexte d'occupation, celui dans ce qu'on voit, c'est que les fils d'Israël et les juifs en Israël sèment la corruption et les sionistes sont en train d'occuper la terre, de détruire les vestiges islamiques, d'empêcher les Palestiniens d'avoir leurs droits les plus fondamentaux. Alors, parce qu'il y a cette occupation, certains sont portés à prendre ce texte et à dire que la deuxième corruption, c'est celle qu'on connaît aujourd'hui, et ce qui va s'accomplir à la fin, ça va être l'entrée dans la mosquée, et c'est ce que dit le verset 7 de la 17e sourate du Coran, celle de Al-Banu Israël. Alors, il y a cette tendance, et je dirais cette tendance, elle est acceptée par les musulmans parce qu'ils voient l'injustice et trouvent dans le texte une réponse à cette injustice. Allah Azza wa Jalla dit: ensuite, nous vous donnâmes la revanche sur eux. Et nous vous renforçâmes en bien et en enfants. Et nous vous fîmes un peu plus nombreux. Il parle des fils d'Israël, bien sûr. Si vous faites le bien, vous le faites à vous-même. Et si vous faites le mal, vous le faites à vous aussi. Puis, quand va la dernière prédiction? Ce fut pour qu'ils affligent vos visages et entrent dans la mosquée, comme ils y étaient entrés la première fois. Alors, les gens disent, naturellement, Allah Azza wa Jalla parle de nous. On va rentrer dans la mosquée. Et pour qu'ils détruisent complètement ce dont ils se sont emparés. Alors, maintenant, nous allons revenir dans les livres d'exégèse pour voir ce que disent les savants. Moi, je dirais que les contemporains, certains vont dire que la première de ces prédictions a eu lieu avant la venue du prophète, alayhi salatu wassalam, et la deuxième aussi. Certains vont dire que la première prédiction a eu lieu au temps du prophète, alayhi salatu wassalam, avant le temps du prophète, alayhi salatu wassalam, et la deuxième après la venue du prophète. D'autres, ils ont dit, une a déjà eu lieu, la deuxième en l'attend. Alors, on va revenir, subhanallah, à ce que disent les exégètes. At-Tahir ibn Ashur, dans At-Tahrir wa At-Tanwir, qui est un grand savant tunisien, subhanallah. Alors, lui, il a dit, et il cite l'imam Al-Alousi, il a dit que la sourate de Bani Israël contient des affaires sur les fils d'Israël qu'on n'a évoquées nulle part ailleurs. Donc, subhanallah, c'est une spécificité de cette sourate.
qu'elle contient des informations sur les fils d'Israël et ceux qui l'ont appelé Sourate al-Isra, subhanallah, parce qu'elle parle aussi, subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-majdi al-haram ila al-majdi al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Alors, ceux qui prennent aussi, subhanallah, ce verset, le premier, ils disent, regardez, ça parle des fils d'Israël, ça parle, subhanallah, de l'Isra, le voyage nocturne, ou al-Mi'raj, ensuite l'ascension. Donc, cette sourate, elle est sourate de l'ascension, du voyage nocturne, et Allah Azza wa Jal a nommé al-Masjid al-Haram, Masjid, alors qu'il n'y avait pas à l'époque une mosquée, c'était au temps de la Mecque, c'était dans la période mécoise, et il a appelé le Masjid al-Aqsa alors qu'il n'y avait pas une mosquée. Donc tout cela nous aide à trancher et à dire que la première corruption a eu lieu avant et que la deuxième va avoir lieu après lorsqu'ils vont semer la corruption sur terre. Regardez ce qu'a dit l'imam Nukathir. Alors, il a dit: وقد اختلف المفسرون من السلف والخلف في هؤلاء المسلطين عليهم. Donc, il y a divergence entre les exégètes qui ont précédé et les contemporains à propos de qui vont faire subir aux fils d'Israël, subhanallah, un douloureux châtiment. Alors, فعن ابن عباس وقتادة. Alors, il cite Ibn Abbas et Qatada. Ibn Abbas et Qatada, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit: les premiers qui les ont châtiés, c'est Jalut el-Jezeri, Goliath, wa junudu. Donc c'est Goliath et ses soldats. Sallata alayhim awwalan. Allah les a envoyés sur eux en premier lieu. Ensuite, ils ont eu le dessus. Wa qatala Daoud ou Jalut, et David, alayhi salam, le prophète, a tué Goliath. Wa lihada qala ta'ala, c'est pour ça qu'Allah a dit: ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. Alors, il dit: ensuite nous vous donnâmes la revanche sur eux et nous vous renforçâmes en biens et en enfants. Donc ça, après que Daoud alayhi salam ait tué Goliath. An Sa'id bin Jubair, il a dit: إنه ملك الموصل, le roi de Mossoul, سنجاريب, et ses soldats. Et il a aussi dit Saïd ibn Jubayr, on dit aussi que c'est Bourtonsor, le roi de Babel. Alors, et Ibn Kathir nous dit que Ibn Abi Hatim, dans son tafsir, il a rapporté un récit qui est merveilleux, Qissa Ajiba, il a dit, qui parle de l'histoire de Bourtonsor et tout. Et il dit: je me demande comment se fait-il qu'un grand imam comme l'imam Tabari, qui est le cheikh des exégètes, ait pu accepter ce récit et le raconter dans son tafsir, parce qu'il dit: c'est sûr que ce récit-là, maudou'a, est un mensonge, et que normalement un grand savant, وقد صرح شيخنا الحافظ العلامة أبو الحجاج المزي رحمه الله بأنه موضوع مكذوب. Alors, ce hadith-là, ou ce récit-là, est un hadith qui a été forgé, qui n'est pas authentique, qui est un pur mensonge. Et il y a, toujours l'imam Nukathir, il a dit: et il y a plusieurs israéliettes, des récits des fils d'Israël, que je ne vais pas rapporter, tout simplement parce que minha ma huwa mawdou', il y a parmi elles ce qui est forgé, c'est-à-dire des mécréants avérés qui jouent avec la religion, qui l'ont forgé. Et il se peut que parmi ces israéliettes, ces récits des fils d'Israël, il y en a qui peut-être sont authentiques. Il a dit: et nous n'avons pas besoin, alhamdoulilah, d'aller puiser dans les livres des fils d'Israël. فيما قص الله تعالى علينا في كتابه غنيا عما سوى من بقية الكتب. Ce qui est dans le Coran est suffisant. Et rappelez-vous la parole du prophète alayhi salatu wassalam à Sayyidina Omar radiallahu anhu, quand il l'a vu avec des feuillets de Taurat, et il lui a dit que si Moussa alayhi salam était vivant, ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani, n'aurait pas eu le choix que de me suivre, et que le Coran est venu pour abroger tous les autres textes, et que ce qu'il y a dans le Coran avec la Sunna, c'est amplement suffisant. Ensuite, l'imam Ibn Kathir dit: وقد أخبر الله تعالى, Allah nous a informé, أنهم لما بغوا وطغوا,
بغوا وطغوا lorsqu'ils ont semé la corruption, lorsqu'ils sont devenus injustes, سلط الله عليهم عدوهم. Allah leur a envoyé un ennemi. فاستباح بيضتهم وسلك خلال بيوتهم وأذلهم وقهرهم قهرهم. Donc cet ennemi est rentré dans leur demeure, dans leur ville, a semé la corruption sur eux. Ensuite, subhanallah, il a dit وقهرهم جزاء وفاقا. Ça, c'est ce qu'ils méritent. وما ربك بظلام للعبيد. Et Allah n'est point injuste envers ses serviteurs. فإنهم كانوا قد تمردوا. Ils se sont rebellés, révoltés. وقتلوا خلقا من الأنبياء والعلماء. Ils ont tué, subhanallah, les prophètes et les savants. Alors, وقد روى ابن جرير, et l'imam Tabari, ibn Jarir, c'est le Tabari, il a dit à propos de Saïd ibn Musayyib, يقول ظهر بختنصر على الشام. Alors, بختنصر, il est rentré dans Sham et خرب بيت المقدس. Il a détruit le Beit al-Maqdis, ce qu'on appelle aujourd'hui Jérusalem et qui est en fait Al-Quds ou Urshalim chez les chrétiens. Et il en a tué. Ça, c'est authentique. C'est ce qui est le plus répandu. C'est que c'est Bourtonsur qui a commis, qui les a punis sévèrement après qu'ils aient, subhanallah, ensuite tué des prophètes et semé la corruption sur terre. Alors, ensuite, il dit, l'imam Nukathir, وجرت أمورك وإن يطول ذكرها ولو وجدنا ما هو صحيح أو ما يقاربه. Et si on avait trouvé ce qui est authentique ou ce qui se rapproche de l'authenticité, لجاز كتابته وروايته والله أعلم. Donc je n'ai pas trouvé quoi que ce soit d'authentique pour pouvoir trancher. Alors ça, c'est important. Là, certains vont dire mais Cheikh Islam Ibn Taymiyyah avait tranché. Oui, certes, Cheikh Islam Ibn Taymiyyah a tranché et il a dit que la première corruption a eu lieu après Sulayman alayhi salam et que la deuxième a eu lieu après Yahya wa Zakaria et wal Masih et Jésus alayhi salam. Donc ils ont fait la première corruption après Sulayman et la deuxième après le Masih. Mais là, il faudrait faire attention parce que Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, quand il dit cela, il le dit pour tirer des leçons et il n'est pas en train de justifier la réalité qu'il vit. C'est parce qu'aujourd'hui, nous avons énormément de personnes qui veulent soit justifier la réalité, soit, subhanallah, trouver une fin heureuse de l'injustice qu'ils vivent. Alors, ils ont tendance à prendre le Coran, à lui faire dire ce qu'il ne dit pas. Alors, ce qui est important de retenir, subhanallah, ce propos, c'est le verset 8. Le verset 8, Allah Azza wa Jalla dit, وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا. Ça, c'est un verset qui est extrêmement important. Je répète le verset. Allah a dit, il se peut que votre Seigneur, c'est le verset 8 de Sourate Isra, il se peut que votre Seigneur vous fasse miséricorde. Mais si vous récidivez, nous récidiverons. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا. Mais si vous récidivez, nous récidiverons. Alors, et nous avons assigné l'enfer comme camp de détention aux infidèles. Regardez, subhanallah, le verset 18. Alors, ce qu'il faut retenir ici à ce niveau-là, c'est que Allah a dit wa in utum udna. Et subhanallah, ahl al-ilm ils ont dit law kana fi dhikri hadithatay al-ifsad fa'ida la'ayna rabb al-alamin. S'il y avait un intérêt à ce qu'Allah azza wa jalla précise la première corruption et la deuxième corruption et ceux de ses serviteurs qui sont extrêmement forts et terribles en châtiment, s'il y avait un intérêt à ce que Allah précise la première corruption et la deuxième corruption, ainsi que ceux qui vont les réprimer et qui vont les châtier, les punir dans la première et la deuxième, Allah l'aurait fait. Alors, sauf que Allah Azza wa Jal s'est contenté de préciser « wa in udtum udna ». Et, mais si vous récidivez, nous récidiverons. Et ça veut dire que chaque fois que les fils d'Israël vont semer la corruption sur terre, ce qui va leur arriver, c'est que Allah va leur envoyer certains de ses soldats qui vont les châtier d'une manière impitoyable. Et c'est ce qu'on doit retenir. Alors, faites très attention de ne pas faire dire au texte coranique ce qu'il ne dit. Elle est génie à l'annas, subhanallah. Alors, il faudrait faire extrêmement attention. Si le Coran précise, on prend la précision.
Si le Coran ne précise pas, on vérifie dans la Sunna. Si dans la Sunna, il n'y a pas de précision, naqif haythu waqafa al-qawm. Et on n'avance pas. On s'arrête là où ceux qui sont meilleurs que nous se sont arrêtés. Donc, si les compagnons n'ont pas précisé, si les tabi'in n'ont pas précisé, faites attention, et je ne vais même pas nommer, parce qu'il y a certains soi-disant chouyours qui sont devenus extrêmement célèbres dans les dernières années, parce qu'ils ont commencé à dire « Ah, Ya'juj wa Ma'juj, ce sont les Chinois. Ce qui va arriver au fils d'Israël, c'est Hitler a été envoyé pour les réprimer, c'est cité dans le Coran, et subhanallah, il cite « Wa la hawla wa la quwwata illa billah » des versets et les applique à des réalités qui n'ont jamais été précisés ni dans le texte coranique, ni dans les livres de Sunna. Donc faites attention, revenez toujours dans les livres d'exégèse et revenez vers les savants qui craignent Allah Azza wa Jal pour ne pas faire dire au texte qui ne dit pas. C'est tout ce que je voulais dire à propos aujourd'hui de Sourate Al-Isra. Donc c'est une sourate extrêmement importante parce qu'elle comporte des éléments sur les fils d'Israël qui n'ont été cités nulle part. Et c'est une sourate qui est mécoise, qui n'est pas médinoise. Donc, pour tous ceux qui disent que le prophète, alayhi salatu wassalam, moi je parle maintenant des orientalistes, les Français, qui combattent l'islam et qui écrivent comme quoi le prophète, alayhi salatu wassalam, au début, disait du bien des fils d'Israël, mais lorsqu'il est parti à Médine, ils sont devenus des opposants politiques avec les trois tribus à Médine. Et là, le texte coranique a changé. La hawla wa la quwwata illa billah. Cette sourate, par l'aveu de plusieurs compagnons, dont Abdullah ibn Mas'ud, est mécoise. Et elle a précisé, elle a donné des éléments, subhanallah, sur les fils d'Israël qu'on ne retrouve nulle part. Salam alaykoum wa rahmatoullah. Rendez-vous demain. Continuez la récitation, la lecture.